to Fez. I wear a Fez now. Fez is a cool. Fan de Doctor Who et YouTuber, c'est Dr. Bat. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le tournevis Sonic de David Tennant et de la Matrone. Donc, déjà la boîte. Donc, voilà. David Tennant avec son tournevis. Sonic Screwdriver et Sonic Pen Set. Ça, j'ai absolument aucune idée. Si ça veut dire que ça fait du son, voilà. Au fond, on peut apercevoir le TARDIS. En haut, un autre truc. Là, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Ici, un site plus Sonic Explorer, voilà le nom. Doctor Who, donc moi c'est déchiré, mais j'en prends pas très soin. L'arrière, donc, pareil. Ici, le TARDIS. Donc le tournevis, voilà, il est marqué bzzz. Voilà, ensuite donc des conseils aux moins de 5 ans. Warning, voilà. Utilisation, il contient un tournevis Sonic, un stylo Sonic et un truc d'instruction. La notice quoi. Et là, voilà le petit TARDIS avec marqué BBC. Voilà, tous les trucs écrits, bon, je vais pas tout vous lire, hein, sinon la vidéo n'a plus aucun intérêt. Donc, 5 ans et plus. Donc, on va commencer par rien du tout, puisque je vais d'abord vous montrer la notice. Donc, c'est pas celle-ci, hein, celle-ci, c'en est une autre, mais bon, c'est, de toute façon, c'est pour la même chose. Celle qu'on a avec, c'est celle-ci. Donc, voilà. Une montre comment démonter. Quel puits il faut. Voilà, ce que vous avez l'instruction. Hop là, Docteur Who. Quel pilier. Donc, commençons par celui de David Tennant. Donc, le voilà. Donc, il est assez joli. Hein. Sauf qu'il y a ce gros machin en plein milieu qui n'a rien à faire ici, mais bon. Donc, l'avant. Sur le côté. Voilà. Comme ça. Donc déjà, ses points faibles. Ce truc fait stylo. Le tournevis Sonic est un tournevis Sonic, pas un stylo. Ici, ça peut s'enlever pour le remplacer par un... Quand on écrit invisible, après, avec l'autre, quand on appuie ici, quand on appuie, ça fait violet déjà, ça fait pas bleu. Et on peut voir ce qu'il écrit, bon c'est pourri, voilà. Donc, déjà, le son. Donc, c'est parti, j'appuie. Voilà. Alors, vous aurez peut-être pas très bien entendu. Donc, il fait de la lumière. Hein. Hop, hop. Après, on peut l'ouvrir. Comme ceci, au milieu. Donc on voit, là c'est sûrement là que passent les films, mais dans la série j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Donc dans la série, j'ai vu ça l'autre jour, sur une image, vous le savez peut-être pas, mais normalement ça, ça peut bouger comme ça, clac, clac, comme ça, voilà. Ça peut un peu bouger, là ça ne bouge pas. Bon, ça c'est encore, voilà. Donc, hop. Je vous le montre bien. Donc ici aussi ça... Ici aussi on a le son, enfin bon là je le fais pas le son mais c'est fait exprès parce qu'il est cassé, mais bon voilà. Donc il est assez bien fait, surtout les trucs là c'est vraiment assez joli quand même. Ce truc qui fait stylo, ça ne me plaît absolument pas. Normalement l'arrière n'est pas vraiment comme ça, mais bon ça peut aller, c'est assez assez bien fait. Maintenant, passons au stylo Sonic. Donc le voilà. 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 Donc. Comme ça. Celui de la Matrone. Dans l'épisode où il y a des boules de graisse là. Donc, ici il y a le son. Ici le son.
Lumière. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à l'intérieur, au haut du TARDIS, ça, la lumière du TARDIS. Mais bon. Voilà, comme ceci. Donc, comme son nom l'indique, ça fait stylo, hein. Bon, ça encore, c'est logique. Voilà, donc ça écrit. Bon, je vais pas vous montrer. Hein. Le son. Voilà. Bon. Donc, pas vraiment grand-chose à dire. Que normalement il est plus court dans la série, donc celui-là c'est vraiment le moins bien fait. Et donc voilà. Donc c'était tout pour le tournevis de David Tennant et de la Matrone. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!